on a décidé de se mettre ensemble pour se donner un levier pour faire la promotion de nos bières, pour faire la promotion des bières du Québec au sens large, mais surtout la promotion de nos bières, la promotion de notre territoire, la promotion de notre savoir-vivre, notre savoir-faire. On a plus tendance à vouloir se tenir ensemble, se tenir les coudes, même se tenir par la main, puis œuvrer dans le même sens ensemble pour en arriver à un résultat qui est de faire connaître nos produits, faire connaître la route des bières. Micros dans la route des bières, on est une dizaine aujourd'hui ici à brasser cette bière-là, bien, tout le monde a apporté son grain de sel à ça pour créer quelque chose qu'on va être content de servir et de faire découvrir à notre clientèle, autant dans nos pubs à nous qu'à Montréal et à Québec. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de pouvoir partager les expériences là, des différentes personnes qui vont apporter finalement leurs idées. Donc, c'est ça l'intérêt, dans le fond, c'est de se réunir tout le monde ensemble, puis de jaser, puis d'avoir du plaisir finalement à créer quelque chose ensemble. Tout le monde a l'air d'avoir du fun à brasser, juste à jaser avec tout le monde. Tout le monde est comme « wow », puis ont l'air à triper sur leur métier. Fait que je pense que les touristes qui vont faire le tour de la Gaspésie vont pouvoir le sentir, cette passion-là, puis la goûter en même temps. Moi, je considère que la route des bières, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Ceux qui participent, ceux qui font le tour de la route des bières, chacun trouve son compte. C'est extrêmement plaisant de se trouver dans un lieu, je dirais, encore dépaysant sur le bord du fleuve avec une terrasse qui donne sur le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi faire la route des bières? C'est une occasion en or de visiter toute l'Est du Québec en découvrant de façon très intime chaque région avec ses saveurs et son patrimoine.